Il y a donc l'action des gouvernements mondiaux. Il y a la technologie aussi, et ça c'est assez nouveau même dans le rapport du GIEC. C'est-à-dire en quoi la technologie peut nous aider à inverser la courbe On a besoin d'innovation dans tous les domaines. On a besoin de faire en sorte que on puisse produire de l'énergie en quantité suffisante en électrifiant plutôt qu'en utilisant des énergies fossiles. On a besoin de de faire des, des, des innovations là aussi dans l'agriculture, pour avoir une, une agriculture régénératrice qui soit capable de stocker du carbone. On a besoin de faire euh, des innovations par exemple sur les véhicules, pour que les véhicules soient plus légers. Euh, Qu'il consomme moins d'énergie, même si cette énergie est électrique. Avoir peut-être aussi des voitures électriques plus performantes pour qu'on ait davantage envie de s'équiper. On a aussi besoin d'innovations sociales en réalité, parce que oui, évidemment, il faut que les, les, les voitures électriques soient plus performantes, mais on a surtout besoin d'avoir moins de voitures en circulation. Si on remplaçait toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, on remplacerait un peu un problème par un autre. Donc, par exemple, toutes ces innovations sociales autour de l'autopartage, une voiture, elle reste 90% de sa vie garée. Donc il y a absolument... Et, et, et 90% de son énergie sert à déplacer la tôle, le, 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 le poids du véhicule, et pas l'individu. Donc faire des véhicules beaucoup plus légers que nous pouvons partager. Tout en faisant un urbanisme qui nous permet facilement de prendre nos, nos, nos vélos, de marcher, etc., ça peut avoir un impact considérable. Tout à l'heure, un peu plus tôt dans la matinée, Anthony Morel, c'est déjà demain, qui s'intéresse à toutes ces nouvelles technologies, revenait sur une autre actualité de la semaine un avion A380 qui a relié Toulouse à Nice grâce à de l'huile de friture. Ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître aussi peut-être un, un coup de com', mais c'est aussi par ce genre d'initiative qu'on y arrivera c'est aussi par ce genre d'initiative. Enfin, je veux dire, euh, pourquoi pas? Enfin, ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, on réutilise un déchet plutôt qu'aller chercher une ressource. Donc, plutôt que de faire des agrocarburants qui prendraient euh, de, des espaces agricoles ou plutôt qu'aller chercher du pétrole. Mais globalement, ce qui, ce qui va tout changer, c'est vraiment la structuration de la société. C'est-à-dire que. On a besoin d'aller vers une société plus sobre, où on consomme moins de matière, on réutilise plus de déchets, où on a plus d'espace de, naturels, où on arrête de détruire les forêts, les prairies, les prairies marines ou les prairies tout court d'ailleurs, les, les zones humides, où on va vers une alimentation plus végétale où on isole les bâtiments pour consommer moins d'énergie. Globalement, on aurait besoin de réduire de 50% notre consommation d'énergie dans l'ensemble de la société. Et ça, ça ne peut encore une fois se faire que par des grandes orientations. On ne peut pas attendre que ce soit simplement les individus qui changent. Il y a...